Toute l'actualité du ski chaque semaine sur Run TV Avec le soutien de Biblablo de Net Plus FMV, Force Motrice Valaisanne Et les banques Raiffeisen du Valais-Romand Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir pour cette deuxième émission de l'Après-Ski, l'émission où on décortique l'actualité du ski alpin. On est très heureux d'accueillir ce soir sur le plateau Mélanie Meillard, skieuse de Coupe du Monde. Salut Mélanie. Salut. Avec nous également Patrick Flaction, préparateur physique de plusieurs skieuses et skieurs en Coupe du Monde également. Salut Patrick. Bonsoir. Un menu copieux nous attend avec ces deux invités de marque. Nous allons notamment analyser le calendrier qui est très très dense en ce moment et l'impact que ça a sur la préparation des athlètes. On va revenir sur les courses du week-end et avoir un duplex avec Loïc Meillard. On passe tout de suite au débrief. On commence par les courses masculines. Il y en a eu cinq depuis notre dernière émission à Val Gardena, des victoires de Dominique Paris en descente, de Vincent Kriechmayr en super G et également de l'américain Bryce Bennett sur la première descente. Lequel de ces hommes a écrit la plus belle histoire, d'après toi, Mélanie Bon, C'est une bonne question, mais je pense que Bryce Bennett, avec sa, son gros numéro de dessert, c'était quand même une, une jolie course pour lui. Patrick, Bryce Bennett, deuxième victoire. Deuxième victoire en carrière, la deuxième à Val Gardena, c'est oui, un joli d'œil. C'est sûr que c'est extraordinaire, mais moi, ce qui m'a touché, c'est Dominique Paris. Parce que ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de victoire sur cette piste italienne, par un Italien. Et là, je trouve que franchement, pour sa carrière à lui, c'est vraiment une jolie... Une jolie. Je pense que l'histoire du ski s'écrit, c'est écrit ce week-end. D'ailleurs, Dominique Paris hein, à Val Gardena, donc la Gazzetta qui avait fait un magazine spécial... Et avant la course même, avait annoncé la couleur avec Turbo Paris. Donc, euh, en termes Et de pronostics, ils sont pas mal, hein, les, les médias italiens. Après la vitesse, on a eu droit à deux géants du côté d'Alta Badia. Et le mot géant convient parfaitement à un homme, Marco Odermatt, qui survole toutes les courses, non seulement cet hiver, mais depuis trois saisons déjà. Patrick Comment peut-on expliquer une telle domination de Marco Dermat sur le géant, mais aussi, gentiment, sur les autres disciplines Moi, Je ne sais pas si on arrive à l'expliquer facilement. Une chose est sûre, c'est qu'il est en confiance avec sa technique, avec sa préparation physique, avec son matériel. Il a probablement une très grande confiance en lui en ce moment. Tout fonctionne très bien pour lui. Et quand quand on voit la capacité qu'il a à se récupérer, et même derrière des grosses fautes, et d'aller toujours vite, c'est franchement, et pour lui, c'est une période extraordinaire. Il domine en géant, gentiment, il arrive sur la descente aussi. C'est une question de, de jour. On rappelle, il y a Bormio dans quelques jours, juste avant les, les, les fêtes de fin d'année. Pour toi, elle va tomber cette saison, cette première victoire en Coupe du Monde, on le rappelle, parce qu'il a déjà été champion du monde en descente. Oui, bon, plus la descente sera technique, ou plus il aura de chance, je pense. Il l'a dit d'ailleurs, hein, les zones de glisse, c'est pas encore là où il est très fort. Donc une descente comme mieux, il peut tout à fait gagner, mon avis, avec le niveau qu'il a aujourd'hui. A Val Gardena, il a terminé à 5 centièmes d'une première victoire en Coupe du Monde. Mélanie, quand on termine à quelques centièmes d'une victoire, d'un podium ou même d'une qualification pour la deuxième manche, en ce qui te concerne dans les disciplines techniques, qu'est-ce qui se passe dans la tête ben, j'ai jamais vécu, euh, malheureusement, à 5 centièmes de la victoire. Donc, ça, je peux pas encore le dire. <laughs> plus dans l'autre sens. <laughs> mais, je, mais tu te poses des questions. Tu, tu réfléchis où tu as perdu ces, ces minuscules centièmes. Après, tu sais que ça se joue un peu. Peut-être que ça se joue euh, sur euh, le doigt à l'arrivée, comme tu as tendu la, la main ou sur tellement des petites choses. Et je pense que bah, Marco, il sait très bien que des petites parties de glisse, il est un peu, un peu moins fort pour l'instant. Et je pense qu'il qu perd sur ces petites parties. Après, c'est que question de jour et question de temps, je pense, pour gagner sa victoire. De l'Italie, on passe à la France, puisque les filles étaient-elles engagées à Val d'Isère pour une descente et un Super G Exactement, c'était un week-end sous le signe de la vitesse, et ça a commencé par un doublé suisse avec Yasmine Flory devant Johanna Hélène. Euh, Yasmine Flory, qui est championne du monde pourtant, mais c'est une première victoire à cet échelon de la Coupe du Monde. Patrick, est-ce que tu as été surpris par cette victoire je ne sais pas si je peux dire que j'étais surpris, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle a déjà prouvé qu'elle peut aller vite. Euh, faire un, un exploit, c'est déjà quelque chose de difficile, mais le réitérer, regagner derrière, c'est encore plus dur. Donc, chapeau à elle. Euh, cette piste de Val d'Isère parfois réserve des surprises. On a eu des doublés dans le passé euh, qui étaient surprenants, mais, mais c'est ça le, la, la beauté du ski, entre autres là. Est-ce que cette victoire, elle est d'autant plus surprenante qu'elle a changé de matériel. Elle fait championne du monde en descente et elle passe sur une autre marque une année après. La voilà de nouveau déjà au sommet. Ouais, c'est encore plus fort hein, puisqu'on sait que le temps d'optimisation et de s'habituer à matériel euh, prend. Enfin, c'est important. Là, chapeau, quoi. Franchement, c'est bien pour la Suisse, hein, aussi, puisque Lara, elle a, elle a moins fonctionné à ce moment-là. Euh, Michel était aussi un petit peu en retrait, donc euh, là, tant mieux pour se doubler. C'est vraiment, ça montre qu'il y a une équipe de, de descente qui est là. C'est exactement ce que tu disais. On attendait plutôt les grands noms de la vitesse: Goja Chifrine, Berami. Et finalement, c'est, on a eu quelques surprises. Est-ce que tout n'est pas joué en vitesse? Est-ce qu'il y a des athlètes qui peuvent aller titiller ces championnes de la vitesse? Euh, bon, j'ai de la peine à parler vraiment de la vitesse. Je regarde, mais sans tout analyser. Mais c'est vrai que je pense qu'on voit qu'il y a beaucoup de, de courses et beaucoup de femmes différentes sur le podium. Après, euh, des Godia, euh, on sait qu'elle qu est forte un peu sur toutes les pistes et puis que peut-être elle a loupé une course, mais qu'elle sera, qu sera toujours là. Puis Lara aussi, on sait qu'elle est forte, surtout en super G. Après, il voilà, y, y a des courses qui fonctionnent un peu moins bien, il y a des neiges qui fonctionnent bien, moins bien pour certaines personnes. Mais c'est vrai qu'avoir deux, deux Suisses sur le podium, ça fait toujours plaisir pour la Suisse. Tu parles de de Berami, justement, Mélanie. de Berami qui a terminé 11e de la descente avant d'être éliminée sur le Super G. Patrick, est-ce que c'est une petite déception pour de Berami ce week-end oui, C'est clair. Euh, je ne pense pas qu'elle vienne là pour, pour sortir ou pour faire 10e. Donc, c'est sûr que c'était une déception. Elle a aussi gagné sur cette piste hein. elle, a, elle a vraiment un beau palmarès ça va leert c'est donc euh, donc je sais pas ce qui s'est passé en fait euh, pour que ça marche pas ce week-end là mais mais euh, peut-être qu'il y avait trop de courses avant ou peut-être j'en sais rien peut-être qu'elle avait un petit coup de down euh, c'est sûr que pour elle ça on va voir comment elle réagit maintenant mais mais il va y avoir une réaction c'est clair il y a eu ce week-end un peu décevant, entre guillemets. Malgré tout, Lara Goudberami qui réussit un début de saison extraordinaire, en géant notamment, avec deux succès, une deuxième place et un cinquième rang. Patrick, tu la connais très très bien, tu l'as entraînée aussi par le passé. Est-ce qu'elle t'étonne, est-ce qu'elle te surprend, Lara Goudberami Ah non, euh, on n'est jamais surpris avec Lara, parce qu'elle est, elle est, elle est vraiment c'est une athlète extraordinaire. Faut savoir que chaque fois qu'elle a fait des très bons résultats en super G dans la, en carrière, elle avait des très bons résultats en géant aussi. C'est souvent corrélé avec son niveau de ski en super G et aussi en descente. Avec le, l'âge qui avance, peut-être que la descente est aussi un petit peu plus difficile pour elle aujourd'hui, euh, à, à vérifier. Mais, mais elle a prouvé vraiment sur des pistes difficiles et sélectives qu'en géant, elle était vraiment, vraiment forte. On parle tout le temps de, de l'importance du géant pour les disciplines de vitesse. Quelle importance pour le, le grand public voilà, qui se demanderait pourquoi est-ce que c'est si important de, de pratiquer du géant en vue du Super G et de la descente Parce que le géant, c'est vraiment sélectif. Si il l'appui n'est il pas précis, il n'y a pas de résultat en géant. Donc, euh, on peut, c est, c est, la, la, la faute, elle, elle coûte très cher. Euh, si on prend la piste à, à Solden, euh, tu fais une faute euh, avant le plat, c'est fini, tu es très très loin derrière. Et donc, euh, le géant permet de, de mesurer la précision euh, technique d'un athlète, vraiment. On a eu le droit à un véritable marathon sur le circuit masculin entre Val Gardena et Alta Badia avec cinq courses en cinq jours. Patrick, tu as dû suivre ça avec attention avec ton regard de préparateur physique. Oui. Euh, même si j'étais pas, enfin, on peut toujours discuter du, de l'organisation de la fise ou de son calendrier, hein, Mais les athlètes, ils ont l'habitude de faire plusieurs jours de suite de ski à une haute intensité. C'est clair que c'est jamais l'intensité de la course et qu'il y a tous les, les, les alentours de la course qui font que la journée est longue et, et pénible parfois. Mais n'empêche que sur le plan physique, je pense pas que ça soit un gros problème qui est une fois, cinq courses. Si c'est tout l'hiver comme ça, c'est probablement un peu plus critique parce que pour des raisons de récupération sur le long terme. Mais sur quatre, cinq jours, enfin, on a vu, Marco a quand même bien skié les deux derniers jours. Donc, il a, il a, il a renchonné sur le programme à juste titre sûrement. Mais enfin, il a aussi prouvé qu'il pouvait skier très fort après, le, après quatre jours. Et donc, je crois que ça va, franchement. Oui, Marco Dermat a rappelé hein, que 5 courses en 5 jours étaient de trop. Le secrétaire général de la Fédération internationale de ski et de snowboard lui a dit qu'il n'avait qu'à faire des impasses comme en tennis. Est-ce que Marco Dermat peut vraiment faire une impasse s'il veut remporter le Globe Général Ça va dépendre peut-être de l'avance qu'il a aussi sur, euh, sur euh, ses concurrents. S'il a suffisamment de marge et qu'il a au milieu de la saison besoin de récupérer, il est possible qu'il puisse... Euh faire l'impasse sur une course. Au début de la saison, c'est vrai que ça paraît un peu cavalier de se dire oh ⁇ Ouais, je vais sauter une course comme ça, puis tout va bien aller. On sait bien que la performance est toujours euh, sur un fil. Hein. Ça va très bien tout d'un coup. Il y a un petit truc qui bascule, et il y a 4-5 courses qu'on ne gagne plus. Il y en a un autre qui a plutôt la frite, et il y a Marco Schwartz, par exemple, il est vraiment là. Donc je ne crois pas qu'il a beaucoup de marge, en tout cas actuellement. Je comprends la pression que ça, que ça peut engendrer. Mais on voit chez les filles, euh, ça se fait. Par exemple, Chifrine qui a gagné la descente de Saint-Maurice, elle fait l'impasse la semaine juste après sur la descente de Val d'Isère, alors qu'elle était présente à Val d'Isère. Est-ce que la clé, c'est justement de décider quelles courses on fait, quelles courses on fait pas, euh, savoir se retirer aussi à un moment précis Bon, depuis toujours, euh, Michaela Chifrine fait l'impasse sur Val d'Isère. Hein. C'est toujours un, un bloc pour elle important de préparation. Euh, qu'elle veut avoir avant le, le, le gros bloc, on va dire, de Noël, enfin, mois de janvier. Donc, toujours, moi, je l'ai vu faire l'impasse sur, sur, sur Val-d'Isère, ce n'est pas nouveau. Et je pense qu'elle, elle a effectivement besoin de ça, sinon elle se fatigue trop. Et je pense que c'est aussi un peu individuel. Enfin, je ne sais pas ce que pense Mélanie sur, sur, sur ce plan-là, mais. C'est connaître ses limites aussi. Je pense tu connais tes limites. Après, chez les femmes, si tu regardes Michaela Schifrin, elle peut faire une descente et elle pourra la gagner. Mm -hmm. Et elle sait aussi, je pense, sur, sur quelle descente elle n'est pas capable de faire euh, ouais. ça. Et tandis que chez les hommes, tu regardes bah, Marco, en fait, il n'a pas le slalom. Et son principal concurrent, quand on regarde cette année pour l'instant, c'est Marco Schwartz. Tandis que lui, il a le slalom en plus et il est capable de skier sur le podium aussi en slalom. Donc si Marco loupe une descente où il peut faire troisième... Pique Marco, ben, enfin l'autre Marco <laughs> Schwartz, ben, fait, fait, fait voilà, fait de cinquième tout le temps et puis des podiums en plus en slalom, bah ben, ça sera mmh. difficile oui, ça en fin de saison, je pense. Tu évoques euh, Marco Schwartz, hein, c'est impressionnant. Il s'aligne sur toutes les courses, du moins c'est ce qu'il veut faire. Le slalom, le géant, le super géant, de la descente. Qu'est-ce que ça t'inspire, Mélanie bah ben, c'est beau. <laughs> Tant mieux si ça, si ça fonctionne, s'il est capable d'être en forme toute la saison comme il en forme pour l'instant. En espérant que ça reste et puis qu'il qu qu est capable, toutes les courses, de les utiliser de la bonne façon et pas de se griller en n'ayant pas fait de points. Mais je pense que pour lui, il sait que s'il veut essayer de gagner le gros globe, il n'a pas le choix de, de faire toutes les disciplines. Mais il a l'air à l'aise. Hein Là, il avait promis qu'il faisait tout jusqu'à la fin de l'année et puis qu'ensuite il faisait le point. Là, en tout cas, il va à Campilio faire le slalom. Il a l'air en forme. Tu penses que ça peut tenir, Patrick, jusqu'à la fin de la saison Ça fait quand même beaucoup de courses. Hein oui, je pense qu'on va pouvoir refaire la discussion en fin janvier, après le, le, le mois des slalomers. Mais, mais en tout cas, pour l'instant, il, il, il montre que c'est possible. Euh, chapeau. Et puis j'espère pour lui qu'il ne s'use pas trop et qu'il ne le paye pas un jour. Parce qu'en fait, on peut toujours, sur une période courte, euh, mettre vraiment toute l'énergie qu'on a. La question après, c'est quel est le retour de bâton et, et franchement, c'est toujours un peu ça la discussion quand on parle de charge, de récupération. C'est vraiment à quel moment on pense qu'on doit récupérer. Lui, évidemment, il a fait un choix. Il s'y tient et puis il va faire le point. Ben, on va voir comment il gère ça, mais il, il, il est en train de montrer à tout le monde qu'il y a peut-être une autre manière de voir la Coupe du Monde aussi. Hein. Est-ce que ça va suffire pour aller euh, détrôner le roi Odermatt, qui reste sur deux gros, deux gros globes S'il fait que des cinquièmes places, cinq, quatrièmes places, ça ne va pas suffire, non voilà, on a parlé d'Odermatt, on a parlé de Fleury, de Laragou de Bérami, mais il y avait aussi des romans engagés ce week-end, n'est-ce pas, Sophie Exactement, chez Les Hommes, on avait quatre romans au départ ce week-end, avec notamment le fribourgeois Alex Simonnet, qui a terminé 23e du Super G, et aussi Arnaud Boissé qui a... Enfin, diront ses fans, pris le départ d'une Coupe du Monde. Euh, Patrick, comment est-ce qu'on se prépare à une si grande échéance Une première euh, participation en Coupe du Monde, c'est quand même un moment qu'on attend pour être prêt le jour X, surtout quand il se décale et décale et décale, comme c'était le cas d'Arnaud Boisset. Comment est-ce qu'on fait pour se préparer à ce dé premier départ Je ne pense pas qu'on peut se préparer à ça. Je pense que, chapeau Arnaud, hein il a, il a bien tenu la pression parce qu'effectivement, il y a eu plusieurs essais manqués. Et la première participation, il fait des points, il rentre dans les vingt. C'est vraiment, vraiment une belle performance. Franchement, c'est remarquable. Et puis, vous l'avez dit, son premier départ, c'était un départ très, très réussi puisqu'il termine à la 19e place pardon, du Super G et marque des points. Mélanie, toi aussi, tu as commencé fort sur la Coupe du Monde avec d'abord une 18e, suivie d'une 6e place en Coupe du Monde. Quel souvenir tu en gardes Est-ce que toi aussi, tu étais aussi émue qu'Arnaud ce week-end euh, Oui, je pense que je m'en rendais un peu moins compte, vu mon, mon âge, quand j'ai fait ces résultats après. Ça, ça marque et pour moi, par exemple, maintenant, c'est di... ma première saison au Coupe du Monde. C'est un peu les résultats que je me, je me souviens le plus parce que j'étais jeune, j'ai tout à a, tout a bien réussi, tout m'est bien réussi à ce moment-là aussi. J'enchaînais je les bons résultats et, et tout était euh, tout allait bien quoi. Des <laughs> <En rire> i... souvenirs. Voilà. <laughs> en Italie, on a aussi vu Justin Murizier hein, qui a lui aussi aligné cinq courses en cinq jours. Donc, deux descentes, un super G et puis deux géants. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une discipline à l'autre en termes de, de préparation physique Ça doit être compliqué là aussi de, de jongler entre toutes ces disciplines. Oui, c'est le plus dur, je pense. Entre les disciplines, entre les neiges, je pense que c'est vraiment les adaptations difficiles pour les athlètes. Euh, ben, Justin, il a choisi d'aller plus en vitesse maintenant. Donc, euh, le géant, c'est difficile à garder. Euh, il s'est préparé un petit peu différemment, d'après ce qu'il disait en automne, hein, pour la descente. Donc, euh, il doit aussi pouvoir euh, transférer cette adaptation physique qu'il a fait en été avec son préparateur physique sur le géant. C'est des probablement des nouveaux repères. Euh, sur des neiges pas, pas faciles à skier, on a vu. Donc, euh, je pense que pour Justin, c'est une période compliquée. Euh, mais ça va, ça va revenir, hein, j'en suis sûr. Mais là, c'est vrai que je pense qu'il. Il gratte un peu quoi. Il fait des bons, très bons passages hein, sur, oui. sur des secteurs, il fait des top 5, des top 10 encore sur le deuxième géant d'Alta Badia. Est-ce que tu arrives à expliquer peut-être la différence, tu as parlé des neiges, de la différence dans les neiges entre Val Gardena et puis peut-être Alta Badia, qu qu'est-ce qu qui change entre ces, ces deux neiges pour le grand public qui ne comprendrait peut-être pas bah, Je pense que Mélanie est mieux placée que moi pour répondre à cette question. Mélanie, comment est-ce qu'on peut l'expliquer, du coup Les changements de neige Voilà, la différence entre une neige à Val Gardena ou à Alta Badia. Bah, Je ne connais pas la neige là-bas, donc du coup, je sais pas. Mais après, tu sais que tu dois t'adapter à l'entraînement. On s'entraîne aussi sur beaucoup de neiges différentes. Donc au final, euh, des fois, tu as de la chance que l'échauffement le matin ait le même style de neige qu'à la course. Donc pendant l'échauffement, tu t'habitues avec cette neige. Après, euh, bah, tu sais que... Faut, après adapter. les deux premières portes, tu t'adaptes et tu fais en fonction de ce qui vient sous les skis. En fait, pour compléter ça, c'est que le retour de force qui est donné par la neige, le grip en fait, le ski, la manière dont le ski renvoie l'accélération en fait, les forces qui sont imprimées dans le matériel sont différentes d'une neige à l'autre. Donc, tout d'un coup, on peut avoir une neige qui, le ski accélère beaucoup plus ou dérape ou ou, ne, ou la neige ne répond pas. On parle d'une neige morte. Donc, ça, c'est vraiment des, des adaptations physiques, d'engagement physique, de positionnement sur la neige qui sont différentes et parfois ça surprend. Donc, pour Justin, pour revenir à, à cette question, bah Justin, lui, il, il doit, avec son nouveau physique, avec ses nouvelles neiges, euh, peut-être il a encore fait deux ou trois adaptations au niveau matériel, trouver les réglages. Et chaque fois que la neige change, c'est de nouveau un tout nouveau réglage qu'il faut trouver. Et ça, ça, ça rend le ski intéressant, mais d'ailleurs complexe. Et il doit les trouver très rapidement, hein, puisque là, par exemple, il passe du jour au lendemain de Val Gardena à Altabadia, il n'a pas le temps, en fait. L'idéal, ce serait d'avoir quelques jours d'adaptation avant une course oui, c'est ce que essayé de, de faire Loïc, ce que Loïc a essayé de faire avec ses entraîneurs, c'est de faire l'impasse sur un super G où le résultat, un bon résultat, était plutôt difficile euh, au profit du géant, mais, mais on peut aussi faire ça puis se rendre compte que ça ne marche pas comme on voudrait non plus. Donc euh, voilà, il euh, y a quand même toujours le hasard qui fait qu'à un moment donné, tu essayes des choses et parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. A mentionné Loïc Meillard, c'était justement notre quatrième roman au départ euh, ce week-end. Il a fait l'impasse sur Val Gardena pour se concentrer sur Altabadia. Résultat, une 16e et une 8e place. C'est pas ce qu'il espérait, j'imagine. C'est pas si tu as un retour et comment tu vois ces deux performances. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter avec lui pour que ouais. savoir que c'est pas ce qu'il veut. <rire> <rire> bah, tu le vois assez aussi à l'arrivée et tout ça. Après, on, on a contact, oui, mais c'est enfin, je sais que ça doit pas être facile en ce moment, il doit essayer de comprendre, je pense, qu'est-ce qu'il qu qu doit réussir à adapter ou à changer pour, euh, pour ses résultats. Après, tu, tu sais que ça ne peut pas fonctionner peut-être sur la neige là-bas, peut-être c'était ça, puis peut-être c'était autre chose. Moi-même, je ne le sais pas, et j'espère que pour les prochaines courses, il trouvera des autres solutions. Il le dit d'ailleurs, hein, que Altabaya, ça reste encore un mystère, il n'a pas encore trouvé la clé, ou bien qu'il qu fait un pas en avant, et puis ensuite il fait trois pas en arrière. Ça peut peut-être expliquer aussi. Euh... C'est sûr, bah, quand tu es au départ et puis que tu sais que euh, ce n'est pas non plus euh, la, la piste ou la course où tu fais tout le temps des, des très bons résultats, ça ne te porte pas vraiment. Le premier jour, il n'arrive pas. Tu essayes de te battre mieux. En deuxi... Au deuxième jour, tu vois que ça ne fonctionne pas beaucoup mieux. La place, oui, est mieux, mais quand tu as le troisième ou le deuxième à deux secondes, euh, enfin... Tu sais que c'est pas là où tu veux être et que tu as envie d'être plus devant et surtout moins loin aussi. Tu as des pistes toi comme ça où tu, tu arrives et tu te dis euh, là je vais cartonner ou bien une autre ah non je dois me retrouver <laughs> sur cette piste. J'ai certaines pistes oui où j'ai toujours presque toujours fait des bons résultats par exemple lévy par exemple Auré ou où... C'est vrai que tu, tu repenses pas mal de fois aux choses positives, puis tu as d'autres pistes comme moi, Semmering par exemple, où j'ai jamais vraiment réussi à faire quelque chose. Mais après, quand tu vas au départ, tu n'y enfin, penses pas, tu sais que c'est une nouvelle course, peut-être que le jour-là, tout ira mieux. <laughs> En l'occurrence, c'est peut-être une chance pour Loïc Meillard que la prochaine course, c'est un slalom. Peut-être que de changer de ski, changer de discipline, ça lui donnera un nouveau petit coup de pouce. On aurait bien aimé parler des romandes également, mais malheureusement, on n'en avait pas au départ ce week-end. Euh, la vitesse, Mélanie. Ah, <laughs> c'est ma... pas quelque chose qui non. te titille. Pourtant, j'ai cru comprendre non, bon. que ton père ton faisait des kilomètres du... lancé. kilomètres lancés, ouais. non. Donc, ouais. euh, il ne t'a pas mis sur les skis de vitesse avec ces magnifiques combinaisons-là. Non. <laughs> c'est ça qui t'a. Ce n'est pas encore pour maintenant et ce n'est pas encore. Euh... Non, c'est pas dans la vérification. <laughs> bon, malheureusement, on devra attendre pour voir des romans en vitesse. On alors. attendra. On exact. attendra. <laughs> on va Surtout pas pour me voir. Hein. C'est vrai, il y en a qui se, se pressent au portu. Blanc, opportive. elle est pas si ouais. loin que ça. Évidemment. Ouais, et, et on va la suivre un petit peu, parce que là, je pense qu'elle n'est pas loin de montrer le bout de son nez là, dans la Coupe du Monde. On l'a eu la semaine passée, justement, en duplex. C'était un plaisir de parler avec elle et on lui souhaite ouais. tout de bon pour la saison. Et cette semaine, le duplex, ça sera avec Loïc Meillard. Salut Loïc, comment vas-tu et surtout où te caches-tu Hello, euh, ça va bien, je suis en route, euh, sur le point d'arriver à Madonna di Campiglio. donc on a, on a roulé en fin de journée et voilà, là je pense d'ici qu quelques minutes on sera arrivé à l'hôtel. Tu as tu as enchaîné deux géants à Atabadia, une 16e place dimanche, une 8e le lendemain. Quelle analyse est-ce que tu, tu fais de ces deux courses euh, weekend compliqué, weekend compliqué, je pense la voilà, Alta Badia, c'est une piste magnifique, c'est une piste où il faut pouvoir attaquer et je pense que je suis voilà, pas forcément parti sur les bonnes bases le premier jour, la première manche et ensuite je euh, pas réussi à trouver le voilà le bon sentiment sur cette neige, sur, sur la piste pour pouvoir vraiment faire mon ski et, et me laisser aller. Donc, euh, donc voilà, malheureusement pas les résultats que j'aurais voulu. Tu as pourtant terminé quatrième hein, l'année passée sur la Grande Risa, mais malgré tout, c'est pas encore une histoire d'amour entre toi et cette piste. Non, je pense que la quatrième place était un petit peu l'exception le, voilà, qui confirme la règle que j'ai de la peine là-bas et que ça fonctionne pas vraiment comme, euh, comme j'aurais l'envie. Et donc c'est vrai que voilà, c'est frustrant parce qu'on voilà, on travaille pour ça toute l'année, toutes les courses et, et de chaque fois arriver là-bas et de se, se prendre une, une petite claque dans le visage, comme on dit. Euh, c'est pas forcément euh, voilà, le meilleur sentiment pour, euh, pour partir d'un week-end de course, mais ma mais, foi, enfin, ça fait partie du job. Qu'est-ce qu qui rend euh, si compliqué cette piste Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, cette euh, grande à Daltabadia ah, C'est vrai que c'est une piste voilà, euh, compliquée, c'est un, un classique, mais où il faut attaquer du début à la fin, malgré la pente, malgré les changements de direction, etc. Et, et donc, c'est voilà, aussi une neige qui est assez spéciale, euh, l'injection. Comme ils la font, avec un peu l'humidité en bas, le fait d'être euh, d'être tout le temps à l'ombre comme piste, ça, ça rend la neige vraiment spéciale. Et voilà, j'ai pas encore eu le, le bon sentiment, la bonne façon de skier ni le setup pour que ça soit vraiment parfait. Tu l'as dit, hein, tu, tu es sur le point d'arriver à Madonna di Campiglio, un slalom au programme vendredi soir. Tu te réjouis de passer sur les skis de, de slalom Je me réjouis. Euh, je pense voilà, c'est toujours toi façon de repasser en slalom. Après, c'est clair, après deux courses mauvaises en géant, on s'en réjouit d'autant plus, je pense. Le, le petit plus, euh, voilà, on se dit c'est le moment de passer à autre chose, de faire autre chose, et donc ça, ça va faire du bien. C'est facile de, de jongler entre les skis de géant et de slalom, de passer d'une paire à l'autre C'est quelque chose qu'on qu apprend à faire. En fin de compte, je pense, euh, quand on est plus jeune ou au début de notre carrière, c'est jamais très facile. Euh, c'est clair, c'est une adaptation à faire quand même, une façon de skier qui est un peu différente. Et voilà, après je pense avec les années, maintenant c'est d'autant c'est de plus en plus facile en tout cas. C'est l'expérience qui rentre et c'est quelque chose qu'on entraîne aussi pendant l'été en fin de compte pour pouvoir le faire facilement. Pour rappel, le slalom nocturne se dispute la nuit, vendredi soir. Loïc Meillard, quelle différence avec un slalom qui se déroule en journée je pense déjà l'attente pendant la journée. Je pense voilà dès, dès le réveil, en fin de compte, on sait que c'est journée de course. On est voilà, on a déjà un petit peu d'adrénaline en soi et toute la matinée, en fin de compte, faut essayer de faire quelque chose pour s'occuper, pour, pour passer le temps jusqu'à qu'on puisse enfin sortir et, et aller se préparer pour la course. Donc c'est vrai que ça, ça rend les choses spéciales. Après ce qui est ce qui est cool, c'est l'ambiance qu'il y a dans ces soirées nocturnes. Euh, il y a toujours beaucoup de monde, une belle ambiance et donc c'est des courses qui sont sympas à faire. Tu as des bons souvenirs à titre personnel à Madonna sur cette piste. Je pense en tout cas des, des très bonnes manches, des, des très bons passages et c'est ça qu'il faut, euh, qu faut garder en tête et, et prendre avec pour, euh, pour la course de, de vendredi. Après, voilà, il y a eu deux, trois sorties de petits soucis ici qui ont été faites, mais je pense que j'étais toujours euh, bien présent. Il y a un de tes coéquipiers hein, qui se sent vraiment à l'aise à Madonna di Campiglio. Tu le connais J'espère qu'il n'aura pas le 4 et comme ça on aura peut-être une chance de le battre. <laughs> On parle évidemment de Daniel Yule qui s'est imposé à trois reprises sur cette piste en Italie. Loïc, est-ce que Daniel Yule t'a donné quelques clés pour s'imposer sur cette piste ou bien est-ce qu'il a gardé sa recette secrète Non, jusqu'à présent, euh, il l'a gardé pour lui-même. Donc je pense qu'il faudra attendre qu'il arrête sa carrière pour qu'il nous passe sa petite recette. Merci beaucoup Loïc. On va suivre ce slalom évidemment avec une grande attention. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite avec le mag qui est consacré cette semaine à la sœur de Loïc, Mélanie Meillard, qu'on a la chance d'avoir sur le plateau avec nous ce soir. Mélanie Meillard, c'est 25 ans. 84 départs en Coupe du Monde, 20 top 10 et un podium lors d'un City Event à Oslo. Mais Mélanie, c'est surtout une personnalité solaire et beaucoup d'énergie positive. À l'aube de sa sixième saison sur la Coupe du Monde, elle nous ouvre son album photo et nous raconte un peu plus sur elle et sur sa saison estivale. C'est une photo d'entraînement euh, cet été. C'est bah, le début de la préparation physique. Alors là, la photo c'est pas tout au début, mais ça fait partie de, de la préparation et de ce qu'on fait pendant tout l'été, où on porte des poids et où on fait des sauts ou on fait de tout avec. C'était à Sion dans la, dans la salle de préparation physique de mon entraîneur physique. On s'entraîne à peu près tout l'été là-bas avec lui et surtout quand on, quand on s'entraîne avec lui, après quand je m'entraîne à la maison je suis chez mon frère et à Sion je suis avec La prochaine c'est le retour sur les skis, on est allé à Zermatt, on n'était que avec Wendy, c'était déjà un retour dans, dans une... Nouvelle équipe, si on peut dire. Je la connaissais déjà, l'équipe, mais c'était nouveau, nouveau parce que l'année passée, j'avais changé. Donc, c'était retour, on était sur le ski avec Wendy, on avait plaisir, c'était chill les premiers jours, on était tranquille. Donc, du coup, on a fait une, une petite photo ensemble et, et ça donne bien. Je m'entends très bien avec, ouais. C on a, je dirais, pas le même caractère dans certaines choses. Moi, je suis un petit peu plus, pas olé olé mais un peu plus détente et elle, elle a un petit peu plus à à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire et tout, mais euh, mais on s'entend bien, on peut bien rigoler, on, on aime bien jouer ensemble, on aime bien faire plein de choses ensemble, marcher, un peu un peu tout faire ensemble, donc du coup euh, c'est sympa. C'était lors d'une journée de pause, on était avec bah, avec mon équipe, avec Wendy et Camille, on s'est dit on va aller marcher un peu, et c'est vrai que à Ushuaï, il y a pas mal de un peu des graffitis des fois sur les sur les sur les maisons. Donc il y a la, la traditionnelle photo avec les pingouins que tout le monde fait et que j'ai également fait aussi. Mais c'est vrai qu'on a trouvé ce nouveau graffiti avec, les, avec Mario Kart. Et, euh, on sait, enfin pas Mario Kart, les Mario plutôt. Mario, Mario Kart, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Du coup, on a fait cette photo, les trois ensemble, et c'était une, une journée sympa au Shoya dans ces trois semaines longues passées là-bas, tout ensemble. On a eu des conditions difficiles. Je peux pas dire que c'était waouh à skier parce que on se faisait secouer un peu dans tous les sens la plupart des fois, mais on a eu des, mais ouais, on a, on a pu bien s'entraîner. C'était très positif en rentrant. On s'est dit en, oh, on a fait, je crois, 18 jours sur 21. On a fait trois jours de pause. Donc, vraiment très positif. On passe donc tout de suite à l'entretien avec Mélanie Meillard. Mélanie, on vient de voir des images de ta préparation estivale. C'est un, est un souvenir assez lointain maintenant qu'on est dans le feu de l'action de la saison hivernale oui, c'est vrai, après, on a toujours la préparation physique encore pendant l'hiver. C'est la seule chose qui reste toute l'année. <laughs> mais euh, mais c'est vrai que ce qu'on voit dans, dans la vidéo avec euh, des poids lourds et tout ça, ça c'est déjà passé et ça m'attendra l'année prochaine. Est-ce qu'en tant que skieuse, on vit surtout pour l'hiver et l'enchaînement des courses ou est-ce qu'on arrive à apprécier cette période qui est un peu moins intense quand même l'été je pense que j'apprécie à peu près tous les moments que, que je passe un peu partout. Après, c'est vrai que enfin, j'apprécie parce que je sais que tout ce que je fais, c'est pour que ça aille mieux sur les skis. Donc euh, j'essaie de le de prendre la meilleure des, des manières et, et de m'entraîner le mieux possible avec un peu de de rigolade. On a vu aussi hein, dans cette vidéo des images de Wendy Holdener, Wendy qui s'est malheureusement blessée il y a deux semaines. C'est une grosse perte évidemment pour le monde du ski alpin, pour l'équipe de Suisse aussi, mais pour vous surtout, pour l'équipe de, de technique, on imagine quand on a une skieuse avec autant d'expérience. Bah, C'est vrai qu'en plus, euh, l'équipe maintenant, elle est un peu petite. Enfin, elle était déjà petite de base, on n'était déjà que trois, maintenant on se retrouve à deux. On est avec Camille, les deux, les deux jeunes, si on peut encore dire le mot jeune. On n'est plus si jeune que ça, mais dans le sens, on est n'a enfin, pas le même âge que Wendy, on va dire. Et c'est vrai que c'était un bel exemple pour ce qui est tout d'entraînement, mais même sur les courses. Et même après une semaine, elle nous manque déjà dans l'équipe. Tu fais aussi référence à Michel Guizine, hein, qui a quitté le groupe de technique pour se diriger vers la vitesse. Là aussi, vous êtes les leaders maintenant de, de cette équipe. Qu'est-ce que ça change On doit faire, euh, on doit montrer l'exemple. On doit, on doit. Qu'est-ce que voilà Qu'est-ce que ça change dans, au quotidien bah, je dirais que sur les entraînements, ça change pas grand-chose. Après, c'est sûr que maintenant, bah, là, on s'est deux jours. On n'était que deux au départ, donc on se tire la bourre entre nous deux. Après, euh, tu t'entraînes de la même la même manière, on va dire. Après, Michel, bah ça fait déjà bah, maintenant tout l'été qui était, qu était mmh. Qu'elle n'était pas avec nous. Elle est dans l'équipe de vitesse, de temps en temps elle vient s'entraîner avec nous. Mais ça, on sait que bah, maintenant c'est nous qui devons un peu reprendre le, le relais. Vous êtes les nouvelles leaders de ce groupe. Euh, le tout début de saison s'est très, très bien passé pour toi. Quel bilan tu tires de ces premiers slaloms et de ces géants euh, Je dirais un, un bilan positif pour l'instant. Alors, il y a eu un peu négatif aussi en géant, mais c'est vrai que depuis le début, je l'ai dit que le géant, c'est du bonus. Donc, okay. euh, à soldon ça a été du bonus et du bonus très positif. Je l'ai pris avec grand plaisir avec <laughs> moi. Et après, ça s'est un petit peu moins bien passé en, en géant, mais je, connais que je continue de travailler. Puis en slalom, je pense que pour l'instant, euh, je fais un très bon début de saison. Il y a certaines manches qui ne passent pas encore à, à 100%, mais le, on voit que le travail paye et j'étais de l'autre côté encore il y, a, il y a quelques temps Patrick, quel regard tu portes sur le début de saison de ta protégée ah bah C'est super parce que après tellement d'années de, de, de galère pour revenir d'une très très grosse blessure hein, euh, Mélanie elle a, dû, elle a dû se réorganiser avec ce genou qui est quand même bien abîmé pour reskier à ce niveau là et ce n'est pas une chose facile, mais elle sait très bien faire ça. Puis surtout, ce qui est compliqué, c'est de, de le transférer en course, d'arriver à faire des, des manches où on est devant, où on est dans les 5, dans les 10, qui montrent le niveau réel, qu'il faut arriver ensuite à reproduire ce que fait aujourd'hui magnifiquement bien Marco. Enfin, lui, il est, il est sur toutes les manches, il est là. Ben, c'est ça qui est vraiment difficile dans la performance. Mélanie, elle revient avec sa réorganisation, son physique a été vraiment retravaillé. Sa technique qui peut maintenant se positionner dans, dans, dans plusieurs types de courses. On n'attendait pas un hein, résultat pareil sur une piste difficile comme Solden. Elle a vraiment montré en deuxième manche euh, ses qualités. Donc euh, il y a tout qui est possible maintenant. Mélanie, euh, Patrick a parlé de cette blessure en 2018. Tu as eu des moments compliqués. À quoi ou à qui tu t'es raccroché pour, pour continuer, pour jamais abandonner Il faut avoir une sacrée force de, de caractère quand même. Moi, je dirais tout simplement ce que j'aime faire. Enfin, ça n'a jamais été une question d'arrêter ou quoi que ce soit. J'aime skier, j'ai toujours envie de skier. Je sais que j'en ai les capacités. Enfin, j'en ouais, en ai les capacités et je savais aussi où j'étais avant ma blessure. Donc, mon but, c'était clairement de, de revenir. Après, oui, ça a pris du temps, beaucoup de temps. Mais je pense que maintenant, on voit que, que le travail paye et que, que c'est positif pour la suite. Tu peux aligner de nouveau des épreuves en Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu vas essayer d'aller chercher cette saison C'est quoi ton, ton objectif Alors, je sais hein, que vous n'aimez pas parler des résultats, etc. Mais ton <laughs> objectif pour cette saison, pour cet hiver Je pense que mon plus gros objectif, c'est, je parle dans les deux disciplines, mais surtout en slalom, c'est de gagner des numéros de dossard. Parce qu'on sait que ça, fait, ça peut faire une grosse différence sur certaines courses. Sur certaines, c'est un petit peu moins flagrant. Mais sur d'autres, c'est... Vite gagner quelques rangs, on est en partant cinq numéros devant, et c'est vrai que bah, maintenant je pense je le montre. Je gagne tout le temps un petit peu des numéros, deux trois numéros par course. Et je pense que bah, si, si je continue comme ça, c'est vrai que mon objectif serait de rentrer gentiment dans le top 15. Patrick, est-ce qu'un préparateur physique est aussi présent quand son athlète marche en Coupe du Monde qu'en période de réathlétisation, de réhabilitation? Euh, nous, on est surtout présent quand il euh, y a besoin de préparer le corps. Quand tout fonctionne, moi j'ai un rôle secondaire, voire même euh, presque inexistant, puisque je ne vais pas sur les courses. Donc elle, elle s'exprime à ce moment-là, elle est sur la neige, elle a un encadrement, tout fonctionne. Puis quand on fait un rappel physique, bon, on se revoit de nouveau, on travaille des choses, on s'assure que ça fonctionne bien. Mon travail, c'est vraiment l'été pour la préparer, et là, on avait fixé cette année vraiment des objectifs physiques qui étaient possibles d'atteindre à nouveau, vu qu'elle n'avait plus de douleur à l'entraînement. Et donc, c'est clair, quand tu parles de que ça, comment le travail commence à payer, ben c'est aussi ça, hein, c'est sentir que le corps est capable de supporter des charges importantes sur la neige ou à côté, et puis que l'ensemble est acceptable pour attaquer, attaquer une saison qui est assez longue quand même, avec pas mal de densité. La suite de la saison, ça sera Courchevel pour toi avec un slalom ce jeudi. Dans quel état, état d'esprit est-ce que tu vas à Courchevel Je pense très positif. J'ai eu des, des bons entraînements jusqu'à maintenant et je prends le positif des dernières courses plus des entraînements et en espérant euh, continuer ma progression. On parlait tout à l'heure de la confiance qui est revenue. Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider vraiment à Courchevel ou c'est course par course vraiment c'est course par course mais après on sait que bah, la confiance joue beaucoup et en ce moment j'ai confiance surtout en slalom donc euh, donc il n'y a pas de raison que, que ça fonctionne pas on a encore quelques questions pour toi des questions auxquelles il faut répondre du tac au tac alors le choix du cœur géant ou slalom slalom l'inspiration chifrine ou vlova chifrine la piste préférée bon on a un début de réponse mais l'évi ou Lensarayde Mmh, ça c'est, <laughs> je dirais Levi parce que je peux y aller chaque année, mais dans le cœur plus Lanceraydem, mais j'ai pu faire qu'une fois malheureusement. Le rythme naturel, je précise, tôt ou lève Ah, je suis les deux. Les deux ouais. Dépend de la saison. Ouais, dépend du jour les jours aussi. <laughs> Et puis l'entre-saison, c'est plutôt vacances actives ou détentes. détente Détente détente. Et pour terminer cet entretien, on a encore une question de quelqu'un que tu connais très bien. Coucou Mel, je crois qu'ils ont des questions pour toi. Pourquoi tu as commencé le ski Et est-ce que tu pourrais à la fin de la saison signer nos casque euh, <laughs> euh, Alors la première question, pourquoi j'ai commencé le ski bah, Tout simplement parce que mes parents m'ont mis sur les skis. Mon frère faisait du ski et je l'ai suivi et tout a bien fonctionné. Donc, j'ai continué ensuite. Et la deuxième question, euh, ben, son casque est déjà signé. Donc, du coup, euh... <laughs> je ne vais pas faire une deuxième signature. <laughs> je pense, pense qu'il y en a d'autres euh, de ces petits qui seraient ravis d'avoir ta signature. Ouais. Il y a une vingtaine en tout cas. Mais qu'est-ce que ça te fait de voir euh, ces jeunes du Giron où toi aussi, tu as commencé à skier, euh, à voir, euh, avoir une idole euh, qu'ils ont en proche d'eux en fait finalement qu'ils voient sûrement régulièrement et puis euh, dont ils peuvent s'inspirer bah je trouve ça beau je trouve ça cool aussi qui qu suivent et puis c'est vrai que bah, il y en a quelques uns des fois que je connais et j'aime bien aussi même quand je vais sur les skis tant qu'on va les passer et les voir faire une ou deux manches je sais que j'ai passé par là c'est drôle parce que tu te reconnais un peu dans certaines bêtises qu'on a fait quand on était jeune quel poster <laughs> tu avais accroché dans ta chambre quelle skieuse ou quel skieur <laughs> J'avais si un poster de Didier Cuche, sauf erreur, okay, dans un bon moment. Mais après, après, ma... après ça a passé mes posters à moi. <rire> <rire> ça, je ne dis rien, mais il a fait beaucoup de vitesse, quand même, Didier Cuche. <laughs> Exactement. Pas eu d'influence. Je ne me suis quand coup. même pas inspirée de lui, non. <laughs> Merci beaucoup, en tout cas, Mélanie, pour cet entretien. On est ravis d'avoir pu découvrir un peu plus sur la personne qui se cache aussi derrière l'athlète. Merci beaucoup. Et on passe déjà à la dernière rubrique de cette émission, c'est les pronostics. Attention, hein, la semaine passée, Daniel Youl avait trouvé Vincent Krishmayer. Alors il s'est trompé de course, hein, il l'avait donné vainqueur, mais pas pour la bonne course. Pronostic pour la semaine à venir, le slalom féminin à Courchevel. Patrick, quelle est ta gagnante Bon, ça va se jouer entre Chiffrine et ou Vlova ah, euh, Je vais dire Vlova. Vlova, Mélanie, est-ce que tu suis ton préparateur physique Non. Moi, je dis Chiffrine. Chiffrine. On aura <laughs> la réponse jeudi soir. Et le lendemain, place au slalom masculin à Madonna di Campiglio. Mélanie, un petit pronostic. C'est difficile. <laughs> parce que, parce que j'ai le pronostic du cœur. <laughs> Qui dit Qui est mon frère. Ça se peut Ça se peut, tout à fait. Euh... Elle va pas le suivre Toujours suivre son cœur. Wow, allez, je dis Loïc. Moi, je dis toujours Loïc. Loïc Maillard. Première marche du podium. <laughs> Patrice. C'est juste le choix du cœur. Loïc est aussi ton athlète hein, en termes de préparation physique. Qu'est-ce que tu suis, Mélanie Je suis pas Mélanie parce que bah, évidemment, <laughs> je voudrais qu'il gagne et, et c'est possible qu'il gagne. Mais il y a quand même un homme qui a fait de Madonna sa station, c'est Daniel. Trois victoires, hein, on le rappelle. Et je pense qu'il est capable d'écrire l'histoire encore une fois là. Merci pour vos pronostics. On vous rappelle à vous aussi, chers téléspectateurs, auditeurs et lecteurs du Nouvelliste, sur pronoski.lenouvelliste.ch, Vous pouvez aussi faire vos pronostics. Il y a de super lots à gagner. Et vous le savez, le ski, c'est des performances extraordinaires des athlètes passionnés, mais c'est aussi très festif. Et chaque semaine, on vous propose un cliff de Schlager soigneusement choisi par nos invités. Donc, Mélanie, on découvre tout de suite la musique que tu as choisie. <music> C'est donc « Atemlos » d'Elena Fischer. <laughs> Mélanie, tu connaissais bien cette chanson. Pourquoi est-ce que tu as choisi précisément celle-là Alors, je la connais. <laughs> Ça, c'est déjà un bon pas moi. point. Mais... Honnêtement, je avais aucune idée qu'est-ce que je devais envoyer comme musique. Donc je suis allée sur YouTube, j'ai écrit Schlager et puis j'ai pris la première musique qui est venue que je connaissais. Eh on dirait que les athlètes n'ont pas trop l'occasion de participer à cette partie festive qui est autour de la Coupe du Monde. <laughs> Peut-être après... Aux spectateurs, hein, ouais, ouais. qui viennent aux courses. Merci Moi, beaucoup. Moi je suis en train de dormir à ce moment-là. <laughs> vous avez un métier, hein, votre, votre sport, voilà. on le rappelle. Merci beaucoup, Mélanie Meyer, d'avoir été avec nous et puis on te souhaite le meilleur. Pour l'hiver à venir, ça continue déjà ce jeudi. Merci aussi à merci toi, Patrick, beaucoup. pour tes éclairages qui sont toujours très intéressants. Merci aussi à toi, Sophie, ainsi qu'à toute l'équipe de techniciens qui nous ont accompagnés ce soir. Et merci surtout à vous de nous avoir suivis ce soir encore. Rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, même heure, même endroit, en compagnie de Marine et Johan. Et d'ici là, tous en piste avec le nouvel Ista Latsuma ce samedi. Et on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Ciao Bonne fête Toute l'actualité du ski chaque semaine sur RON TV Avec le soutien de Biblablo de Net Plus FMV, Force Motrice Valaisanne Et les banques Raiffeisen du Valais-Romand